incitatif. C'est avant tout un témoignage de fierté. On a deux citations, entre Guy Lemire et Jean-Charles Coutu. Lorsque je les lis, ça me rend fier de la région, ça me démontre notre capacité à l'influencer, l'avenir de cette région-là. Donc, c'est important que les gens osent, je dirais, aient l'audace d'acheter une citation et de la mettre en évidence. C'est vraiment... c'est particulier, c'est distinctif de la région, c'est distinctif au niveau de l'Université de Rouyn-Noranda. Nous sommes vraiment fiers de faire partie du parcours citatif ici à Rouyn-Noranda. Notre plaque représente vraiment ce que nous sommes fiers et nous sommes authentiques. On a demandé à Jocelyne Saucy. En fait, on a trouvé une citation de Jocelyne Saucy qui nous représente énormément. Parce qu'on est dans le livre, dans la littérature, j'aime me battre avec une virgule et un peu tout ça, c'est Jocelyne Saucy, c'est le réseau Vibrio. Et puis, trouvez-vous un auteur, trouvez-vous quelqu'un qui a dit quelque chose qui vous ressemble. Pour moi, avoir une plaque chez moi, c'est ma manière à moi de contribuer au rayonnement culturel de ma ville, de Rouyn-Noranda, ma ville d'adoption de laquelle je suis très fière. J'invite tout le monde, que ce soit au privé ou bien public, à avoir une plaque chez eux. Pour le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, le parcours citatif est un moyen d'encourager la mémoire collective des gens. C'est également un moyen de faire vivre la mémoire du Dr. Réal Lacombe, qui fut directeur de santé publique au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. On vous encourage tous à y participer. Nous, on fait partie du parcours citatif parce qu'on trouve que c'est vraiment une belle initiative culturelle en ville. On a choisi une citation de Richard Desjardins parce que c'est un client qu'on aime beaucoup. Et on trouve que c'est une citation qui est parfaite pour un restaurant parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que peu importe la classe ou le statut de nos clients, on veut que tout le monde se sente comme chez toi à la maison et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors, nous sommes rendus à la dernière phase du parcours citatif. Alors, dans les prochaines semaines, des citations vous seront disponibles aux entreprises, aux particuliers qui veulent justement s'approprier une pensée de gens de Rouyn-Noranda, des gens qui souvent ont marqué l'histoire ou monsieur et madame tout le monde qui ont eu des belles réflexions sur leur environnement. Alors, je vous invite dans les prochaines semaines juste de nous contacter et de pouvoir procurer une plaque comme la ville de Rouyn-Noranda a fait qui nous représente une citation de monsieur Guy Lemire.